Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la différence entre infinitive adjectivale et infinitive nominale. Cette vidéo fait en fait suite à une question qui m'a été posée sur mon compte Gmail à propos d'un exercice de mon ouvrage Syntaxe de la phrase anglaise. À la page 293, si vous l'avez, c'est l'exercice 11. He had reason to bless his luck. Donc dans cette phrase, he had reason to bless his luck. To bless his luck est clairement une proposition subordonnée infinitive qui fait partie du syntagme nominal formé par reason to bless his luck. C'est-à-dire que le syntagme nominal, c'est tout l'ensemble non reason plus la proposition subordonnée infinitive. Et tout le problème ici est de savoir si cette proposition subordonnée infinitive, à l'intérieur d'un syntagme nominal, est une nominale complément du nom reason ou bien une adjectivale épithète du nom reason. Comment fait-on la différence? Eh bien, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une nominale, qu'elle soit infinitive ou en that, une nominale à l'intérieur d'un syntagme nominal occupe la fonction de complément du nom. Qu'est-ce que cela veut dire, complément du nom pour une proposition subordonnée infinitive ou ce serait la même chose pour une nominale en that? Cela signifie que l'infinitive exprime le contenu du nom qu'elle complète. Si je vous donne un syntagme nominal tel que her desire to visit London, à l'intérieur de ce syntagme nominal, vous repérez immédiatement l'infinitive to visit London. Or, cette infinitive nous donne le contenu du desire dont il est question. Quel est ce desire? To visit London, vous pourriez paraphraser en disant Her desire was to visit London. Donc, on a bien l'expression dans l'infinitive du contenu du nom desire. Et donc, dans le syntagme nominal Her desire to visit London, l'infinitive to visit London occupe la fonction de complément du nom desire et c'est donc une proposition subordonnée nominale, puisque vous le savez, les propositions subordonnées nominales occupent toutes les fonctions d'un syntagme nominal et notamment celle de complément. Maintenant, si nous revenons à notre phrase, He had reason to bless his luck. Est-ce que l'infinitive to bless his luck nous donne le contenu de reason? Est-ce que nous savons grâce à l'infinitive quelle est la raison en question? Non, on ne peut pas dire que the reason was to bless his luck. Ça n'a aucun sens. En fait, ici, vous pourriez plutôt tenter de paraphraser l'infinitive par une relative. Ce serait un petit peu maladroit, mais vous pourriez dire quelque chose comme He had reason for which to bless his luck. He had reason for which he blessed his luck. Le fait que vous puissiez paraphraser l'infinitive to bless his luck par une relative adjectivale prouve en fait que votre infinitive occupe le même rôle syntaxique qu'une infinitive adjectivale par rapport au nom, c'est-à-dire que votre infinitive, elle n'est pas complément du nom reason, elle est épithète de ce nom. Elle le qualifie à la manière d'un adjectif, c'est pour ça qu'on va dire que c'est une adjectivale infinitive. Elle ne nous donne absolument pas le contenu de la reason, même quand on a lu la phrase en entier. He had reason to bless his luck ne nous permet pas de savoir de quelle raison on parle. On peut simplement dire He blessed his luck for a certain reason. Quelle est-elle cette raison?
Eh bien, on n'en sait rien. L'infinitif ne nous fournit pas cette information. Ce n'est donc pas une infinitive nominale, parce qu'une infinitive nominale, encore une fois, nous donnerait le contenu de la raison. Donc voilà ce qui fonde la distinction entre, d'une part, les infinitifs compléments d'un nom au sein d'un syntagme nominal, et d'autre part, les infinitives épithètes d'un nom au sein d'un syntagme nominal. Les infinitives nominales donnent le contenu du nom en question. Les adjectivales infinitives ne donnent pas le contenu, elles sont paraphrasables par une relative adjectivale, elles qualifient en fait le nom, mais elles n'en donnent pas le contenu. Elles occupent donc la fonction d'épithète du nom et non de complément du nom. Voilà, j'espère que cette mise au point vous aura aidé à y voir plus clair sur la distinction entre, d'une part, les infinitives nominales et, d'autre part, les infinitives adjectivales au sein d'un syntagme nominal. N'hésitez pas à me poser d'autres questions si vous avez besoin et à très bientôt pour d'autres vidéos.